Bonjour et bienvenue sur notre Daily Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre HTTP et HTTPS. HTTP et HTTPS sont deux protocoles utilisés pour transférer des données sur Internet. La principale différence entre les deux est que HTTPS utilise le cryptage pour protéger les données transmises entre le client et le serveur. HTTP est un protocole non sécurisé, ce qui signifie que les données transmises ne sont pas cryptées. Cela signifie que les données peuvent être lues par des personnes non autorisées, telles que des pirates informatiques ou des espions. Par exemple, si vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur un site web qui utilise HTTP, ces informations peuvent être lues par n'importe qui intercepte la connexion. HTTPS est un protocole sécurisé, ce qui signifie que les données transmises sont cryptées. Cela signifie que les données ne peuvent pas être lues par des personnes non autorisées, même si elles sont interceptées en cours de route. Lorsque vous utilisez un site web ou une application qui utilise HTTPS, vos données sont protégées contre les voleurs de données. Voici quelques conseils pour savoir si un site web ou une application utilise HTTPS. Recherchez le cadenas dans la barre d'adresse de votre navigateur. Si le cadenas est présent, le site web ou l'application utilise HTTPS. Vérifiez l'URL du site web ou de l'application. Si l'URL commence par HTTPS, le site web ou l'application utilise HTTPS. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours contacter le propriétaire du site web ou de l'application pour lui demander s'il utilise HTTPS. En utilisant HTTPS, vous pouvez naviguer sur Internet et utiliser des applications en ligne en toute sécurité. Merci d'avoir écouté. Si vous avez besoin d'aide, conseils et astuces, laissez-nous un message sur www.sectester.io. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.